Alors salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 37 du 100 Baby Challenge. Donc depuis la dernière fois, il s'est pas passé énormément de choses, on s'est pas laissé très longtemps. Déjà notre Alma, comme vous pouvez le voir, elle est encore enceinte. Elle a eu un petit rencard avec Philippe Robert, que vous connaissez bien. On a volé un tableau, ce qui nous a rendu un peu plus riches, mais depuis on a payé nos factures, donc on est un peu pauvre comme d'habitude. Et Ignacio a grandi, donc je crois que c'est tout ce qui s'est passé. C'est un adolescent cracra qui pue. Pour l'instant, les enfants étaient rentrés de l'école et font tous leurs devoirs. Les bébés, comment ils vont? Isadora et Michaela, je les ai mis sur leur tablette, hein, parce que clairement j'en avais marre de m'occuper d'elles. Mais là, je vois qu'elles commencent à avoir faim. Il faudrait peut-être s'en occuper. On va les faire manger quand même, hein, on n'est pas des monstres. Quant à Alma, j'aimerais bien qu'elle avance un peu sur son aspiration. Donc j'aimerais bien qu'on achète une fusée. Je sais plus combien c'est, mais je crois que c'est à peu près 4000. Donc faudrait qu'on se fasse juste un peu de sous pour ensuite pouvoir commencer à construire notre fusée. Ah d'ailleurs, il y avait déjà un plat ici. Les enfants, ils ont fini leurs devoirs, mais évidemment, comme d'habitude, il faut qu'ils s'améliorent dans leurs compétences. Donc on va les laisser un peu s'occuper tout seuls, hein. Notre Ignacio, il va vraiment pas bien, donc je vais m'occuper un peu des besoins de tout le monde rapidement. Ici, on a Elena qui nous a fait un joli tableau, on va le vendre. Heureusement vraiment qu'elle est là, Elena. Sans elle, ce serait peut-être bien qu'on commence à faire du jardinage, hein, parce qu'à long terme, on a quand même besoin de plantes. Ou alors, on pourrait aller rendre visite à notre ancienne maison et se faire un peu d'argent, hein. On pourrait se déplacer dans notre big maison qu'on a construit tout seul. Je me demande s'il y a encore des gens qui habitent là-bas, je sais même pas. Mais du coup, notre ancienne maison, elle est là, et apparemment, il y a encore des gens qui habitent dedans. Plus que deux personnes, dont une personne sans pantalon. On va pas y faire attention, hein, comme d'hab. Alors, on vient d'arriver, ça faisait très longtemps qu'on n'était pas venu ici, hein. Ça fait bizarre de revoir cette maison. Elle était incroyable, hein, quand même, hein. C'est vraiment ma maison de rêve. On va aller frapper à la porte. Et du coup, on est invité à entrer. Ce que je propose qu'on fasse, c'est d'aller directement vendre les plantes. Oh mon dieu, ils se sont pas du tout occupés des plantes, je suis choquée. Mais du coup, il y a quand même des trucs à vendre, donc on va essayer de gratter un peu l'argent qu'ils ont là. Même si, vraiment, c'est pas fou, hein. Ils se sont pas du tout occupés des plantes. En plus, je crois qu'on a même pas encore développé le sort floralial, là, ou je ne sais quoi. Donc écoutez, il n'y a pas grand-chose à vendre. Tout ce qu'il y a à vendre, j'ai l'impression, c'est les arbres. Et elle a déjà fini. On a pratiquement rien gagné, j'ai l'impression. Ouais, on a pratiquement rien gagné. Je suis un peu dégoûtée. Est-ce qu'il y a des activités à faire chez eux, là, pour essayer de gagner des sous? Cette maison, elle est vraiment incroyable, hein. Franchement, moi, je suis fière de mon travail, hein. Jusqu'à maintenant, c'est la seule maison que j'ai construite de A à Z. Donc ça me fait plaisir de la voir, on va pas se mentir. Mais du coup, non, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus d'activités que ça pour pouvoir se faire des sous. Donc écoutez, c'est un peu la défaite. On va parler avec notre frère jumeau, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. On va s'enthousiasmer à propos de la magie, etc. Oh mon dieu, il a de l'argile dans la main, vous savez très bien mon horreur pour l'argile. Et en plus, elle a déjà faim, elle commence à être fatiguée, j'avais oublié que c'était une femme enceinte. Qu'est-ce que c'est chiant de s'occuper d'une femme enceinte. Mais d'ailleurs, Elena, elle vit toujours, hein. Moi, je pense qu'elle est vraiment devenue immortelle. Parce que ça fait vraiment longtemps qu'elle est vieille, du coup, là. On a la faucheuse dans nos amis, comment ça se fait? Mais on peut dérober des choses. Après, vas-y, j'ai pas envie d'enlever des meubles de cette maison, en fait. Et on a aussi notre petit cimetière. Je sais pas si je rajoute une... Il y en a une qui a bugué, là. Oh là, elle se positionne. Est-ce que je peux en positionner une nouvelle? Parce que je crois qu'on a un fils qui est mort. Oui, Kevin Torres. On va essayer de la mettre là. Oh, ça passe! Ça disparaît plus, je suis trop contente. Et écoutez, on a qui là? On a Geronimo, je me rappelle pas de lui. Javier. Javier, c'est un de nos premiers jumeaux. Olivia, je me rappelle d'Olivia. C'était la sœur jumelle de Elena. Diego Torres, je me rappelle de lui aussi. Joaquin, je m'en rappelle. Andrés, Matteo. Ici, c'est une fosse. Eva Torres, elle est ici. Et Léa, ok. Bon, on a quand même beaucoup de morts, hein, sur ce terrain. Et écoutez, on va rentrer parce que ça nous a pas servi à grand chose de venir ici. On est juste venu rendre visite à notre frère. Je suis choquée que personne ne se soit occupé des plantes. Franchement, c'est dommage. Ils avaient une mine d'or sous leurs pieds, mais ils s'en sont pas occupés. Tant pis pour eux. Notre petite Alma, elle va s'occuper un peu de ses besoins. Et d'ailleurs, je vais l'envoyer dormir parce qu'il est 22h, elle est déjà fatiguée. Et je pense que Ignacio, il va se prendre un petit boulot. Ce serait une bonne idée qu'il se prenne un petit boulot. Qui nous servent au moins à quelque chose, celui-là. Donc on va aller trouver un emploi. Les enfants, ils sont en train de danser ensemble, c'est trop trop mignon. Bah, je propose que les filles parlent un peu avec leurs frères. Comme ça, elles améliorent aussi un peu leurs compétences. Et on doit sélectionner une carrière pour Ignacio. Du coup, on a babysitter, barista, employé de commerce. Je pense pas qu'il sera influencime ou streamer parce que clairement, on va pas trop s'occuper de lui. Mais bref, je crois que le mieux payé, c'est barista. Donc on va être barista. Les enfants, ils sont pas du tout fatigués.
Elena, t'as pas fini ta toile, s'il te plaît, tu reviens ici. Et d'ailleurs, oui, j'avais oublié qu'on a des plantes ici aussi. On s'est déjà occupé des plantes, donc ça c'est fait. Alors Carlos n'aime pas la pop s'il veut, et faudrait peut-être qu'on remplisse un petit peu ce coin de jardin en vrai, hein, si on veut faire pousser des trucs. On va dire qu'on va pas avoir énormément de choses, mais des choses qui coûtent assez cher, qui nous mettent un peu à l'aise financièrement, parce que là on gagne zéro, c'est grave. Alma, faut vraiment que je lui trouve une compétence à part voler des objets avec la magie, parce que je vous rappelle qu'elle est encore jeune adulte, hein, je crois. Hein. Ouais, elle est encore jeune adulte. Alors Elena qui nous fait un plum bob rose, ça fait plaisir, j'aime bien. Par contre, ton niveau de dessin est dégueulasse, hein. Je suis désolée, elle est niveau 7, elle devrait pas peindre comme ça là. Les enfants, je vais quand même tous les envoyer dormir, hein. J'ai pas envie qu'ils soient fatigués demain. Lui, il a un besoin social de ouf. Bah parle un peu avec les filles là. Deviens ami avec elle un peu là. Bon, voilà. Il va discuter un peu et aller dormir lui aussi. Elena, tu vas aller dormir aussi, tu nous as saoulés. Les bébés, je pense qu'ils sont assez fatigués pour aller dormir. Donc tout va bien, tout le monde va se coucher. Alors c'est le matin, Alma est notre première réveillée parce qu'elle a extrêmement envie de faire pipi. On va écouter tes souhaits, ma belle. Elle va s'occuper de tous ses besoins en même temps. On ira chercher de l'argent dans la journée après. Donc comme vous le voyez, juste ici, elle vient de se faire pipi dessus, voilà, pendant que je prenais ma magnifique miniature. Comme si je l'avais pas envoyée aux toilettes, hein. On est d'accord. Mais d'ailleurs, t'es une magicienne, t'es pas obligée d'aller faire un bain, hein. Tu peux juste faire magie, sort, impeccablo. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'on n'a jamais trop utilisé nos méchants sorts, hein. On pourrait les utiliser aussi aujourd'hui. Oh, elle a mis sa jolie tenue là. Évidemment, le fait qu'elle soit enceinte gâche tout. Et d'ailleurs, on est samedi, ça veut dire que les enfants vont passer la journée ici. Vite, il faut fuir. Donc écoutez les gars, je propose qu'on retourne au musée voler quelque chose. Pour l'instant, parce que c'est que le début de la journée quand même. Enfin, pas au musée, au jardin du chalet, là où on est allé la dernière fois et qu'il y avait que des meubles incroyables. On est arrivé, du coup, on va commencer directement à trouver quelque chose de coûteux. Donc, je pense pas que les cuisines seront intéressantes de ce côté-là. Quoique, les frigos et tout, ça pourrait coûter cher. Mais moi, je m'intéresserais plus à ce genre de truc. Je sais pas du tout combien ça coûte, mais ça a l'air cher. C'est un très beau tableau d'ailleurs, on dirait un peu l'Italie. Vous trouvez pas? Moi, je trouve qu'on dirait un peu l'Italie. Bon, avant qu'on le vole. Du coup, personne ne nous a vus, donc c'est cool. Et personne à qui faire du mal dans les parages. Je ne vois pas d'humain à l'horizon. Oh, ici, il y a un fantôme. Ah, et il y a une dame qui vient nous parler. Où est-elle? Elle est là. Très mal habillée, la dame. Très, très mal habillée. Jamais vu un PNJ avec cette jupe. Qu'est-ce qu'elle veut? Discuter. Écoutez, on va être méchante avec elle, je pense. On va faire une présentation chaleureuse pour mieux lui faire du mal après. Et on pourrait commencer à sort. Furio. Ah, c'est pour qu'elle s'énerve avec quelqu'un d'autre, mais j'ai la flemme de chercher les autres gens, donc on va faire un sort qu'elle se fait à elle-même. Ah, on peut la charmer. Et on peut la contrôler. On va lui faire des esporios rapidement. Oh, d'ailleurs, il y a un jeune homme pas mal ici avec qui on pourrait prochainement faire un bébé. On va se... Ah non, on le connaît déjà. Comment ça, on le connaît déjà? C'est qui celui-là? Jaden Price. Ah, c'est pas le mec d'Annelise? Alors, on fait Furio devant tout le monde. Je sais pas si ça passe du coup. Comment elle se sent? Elle est très triste. Écoutez, lui, il a une mauvaise tête. J'aimerais bien qu'on lui fasse quelque chose aussi. On va étrangifier. Qu'est-ce que ça fait, étrangifier? S'il te plaît, dépêche-toi là. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, fais ton sort. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh! Ça, c'est intéressant. Ça, j'aime bien. Ça lui va très bien, je trouve, hein. Donc là, tout le monde est contre lui. C'est comme quand on a la malédiction d'être dégueulasse, je crois. Repoussant, je crois que c'est repoussant le mot, pas dégueulasse. Trop d'eau a été consommée cette semaine. Oh là là, mais comme si on n'avait pas assez de problèmes. Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut pas voler de l'argent à quelqu'un? On peut pas le faire, ça? Délirifier, calciner, transformer. Je crois que si on fait refroidir, on peut le tuer, hein. Mais vu qu'on a beaucoup de charisme, on peut pas emprunter de l'argent. Enfin, avec ce qu'on vient de faire, ça va être compliqué, je pense. Mais du coup, on n'est peut-être pas assez amis avec lui pour le faire. Jaden, on pourrait lui faire quoi comme sort? Étrangifié. Bah attendez, on va faire Furio entre lui et Ava. Voilà. Notre Alma, elle est triste, je sais pas ce qu'elle a. Allez. C'est parti, je veux vous voir à l'action. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Jaden? Oh! Une petite bagarre. Bah écoutez, c'est une bonne option qu'on ait autant de sorts malicieux, mais j'aimerais bien qu'il y en ait plus en fait. Après, je crois que j'ai pas appris tous les sorts. C'est où qu'on voit ça déjà? Ah, c'est ici. Ouvrir le grimoire. Magie pratique, ouais, il nous en manque deux. Et sinon, on a tout en fait.
Donc en vrai, ils nous manquent que deux sorts et c'est des pratiques, c'est même pas des malicieux ou des méchants. Donc écoutez, on pourrait se rendre aussi à Glimmerbrook, hein. Parce qu'en soi, je me dis, on pourrait peut-être avoir le temps de voler quelque chose là-bas aussi. On est arrivé. Où est le mage de la magie pratique? Qu'on fasse ça assez rapidement. Toujours aussi beau, hein, ce monde magique. Il est là. Il va bientôt mourir en plus. Ah, on n'est pas pote avec lui, mince. Ça c'est chiant parce qu'il faut créer un minimum de relations pour qu'il nous donne les recettes de potions, etc. Quoique on a déjà toutes les recettes de potions, donc on va juste faire ami-ami avec lui et lui demander les deux derniers sorts. Hein, parce que je crois que c'est les sorts ultimes en plus, les derniers. Ok, donc je pense qu'on va lui demander parce que là ils sont devenus assez potes, je pense. Ok, donc il est en train de nous apprendre. Et on a appris chez moi. Qu'est-ce que c'est chez moi? Retourner dans le monde magique. Mais on a déjà la glimmer pierre, c'est inutile comme sort ça. Oh, qu'est-ce que je suis déçue. D'ailleurs, elle a pas l'air d'aller bien. Est-ce qu'on prendrait pas une potion de besoin assouvi? Ça fait longtemps. Bois-moi ça. Elle est heureuse, parfait. Donc, est-ce que maintenant on peut dérober quelque chose? Je crois qu'en plus ici, elle est... Oui. Bah oui, on avait déjà dérobé ici en plus. Sort, dérobé. Est-ce qu'on va nous cramer vu qu'on est loin là? Oui, il est choqué, il nous a vu faire, il est choqué. Oh non, pourquoi on a hygiène au minimum? On s'est fait prendre, mais c'est pas si grave. De toute façon, on va pas lui reparler à lui, je pense. Bah écoute, fais impeccable sur toi-même. Et je pense qu'elle se fait vieille, hein. On pourrait peut-être commencer à créer des bougies. Sa maison est bien dans le thème de pouvoir faire des bougies. Et puis bon, elle est fatiguée, elle aime pas trop travailler. On va dire qu'une vie modeste, ça lui suffit. Hein. J'aimerais juste qu'on puisse acheter la fusée à un moment donné. Bon, allez, c'est bon. Rentre chez toi. On est arrivé à la maison. Tout d'abord, j'aimerais bien regarder combien ça coûte une fusée. Parce que je ne sais toujours pas, mais je crois que c'est 4000 dans mes souvenirs. Ok, c'est 5000. Donc, on y était presque en soi. Écoutez, on va économiser pour avoir 5000. Pour l'instant, tu vas prendre le courrier. Je pense qu'on peut déjà vendre un peu de jouets. Et d'ailleurs, on va retourner au mode construction parce que j'ai complètement oublié. Mais on va lui acheter une machine à bougies. Et on va aussi vendre ça. Donc ça, déjà, ça fait 8000. Mais en vrai, c'est bon. On peut se l'acheter. Hein. Et on va... Ouah, 7500, ce truc-là. Je me disais que ça avait l'air d'être cher, mais à ce point-là... Ah, et le tableau qu'on a volé la dernière fois, on l'a pas vendu. Donc on est quand même à 22000, les gars. C'est pas si mal, je trouve. Mais on va quand même lui acheter la machine à bougies. On va pas se reposer sur nos acquis, hein. On l'a déjà fait, ça nous réussit pas trop. Ok, notre petit truc à bougie, il est là. On va le mettre de cette couleur. Et du coup, je propose que après avoir pris le courrier, tu te mettes direct à fabriquer une bougie. Je pense qu'on n'a pas les ingrédients nécessaires, donc on va les acheter. Alors, cire de soja, on va en acheter plein. Et puis, on va prendre chaque couleur un petit peu, voilà. Mais du coup, on va rentabiliser tout ça. On va commencer à fabriquer une bougie trempée et on va la faire noire. Le courrier des jouets qui font toujours plaisir. Ça va déjà nous rembourser ce qu'on vient d'acheter, là. Ah non, pas tant que ça, hein. 985. On a plus tant d'enfants qui sont vivants, j'ai l'impression, hein. Oh, les bébés, là. Qu'est-ce qu'elle fait en bas, celle-là? Et comment elle est arrivée derrière l'escalier? Bah, super, ça. Ignacio, il travaille quand, là? Je trouve qu'il est trop à la maison. Travaille dans 2 jours. Ah, il faut la compétence mixologie, je savais même pas. Mais je crois qu'on n'a pas de barre, hein. Tant pis, hein. Par contre, il doit atteindre le niveau 3 dans une compétence. Donc, va faire des échecs, mon gros. Pourquoi elle, elle est pas partie fabriquer sa bougie? Pourquoi tu m'écoutes pas quand je parle? Reprendre la bougie trempée. Elena, t'as fini ton tableau de ce que je vois? Oh, c'est un chef-d'œuvre. On va le vendre à 1100, c'est super. Elena, la sauveuse de toujours. Hein. Et d'ailleurs, Elena, elle va discipliner cet enfant mal élevé parce que elle a ça dans son aspiration. Mais pourquoi on peut pas le faire? On peut pas lui crier dessus? On peut pas, comment ça? On peut pas le discipliner, c'est bizarre, il vient de faire une bêtise. Sa mère, elle peut le faire ou même pas? Ah, bah sa mère, elle peut le faire, mais pas sa grand-mère, c'est bizarre. Pourtant, c'est son petit-fils, je comprends pas pourquoi elle peut pas le faire. C'est la première fois que j'ai ce problème. On va l'inciter à ranger le bazar, voilà. Et ensuite, tu vas reprendre une toile, toi. D'ailleurs, on pourrait acheter la fusée, c'est juste que je sais pas où on va la mettre encore. Elle a du mal avec la bougie, j'ai l'impression, là. Elle aime pas trop ça, hein. Et elle est très embarrassée parce qu'elle s'est fait pipi dessus, c'est bon. Et prise sur le fait en train de voler. C'est pas grave. Alors, est-ce que la bougie est terminée? Toujours pas, hein. Elle a du mal, hein. Est-ce qu'il y a une compétence particulière pour ça? J'ai pas l'impression, hein. Ah oui, c'est fabrication d'objets, d'accord. Elle a du mal, hein. Elle veut vraiment pas la finir. C'est quoi ton problème? Je comprends pas, c'est quoi qui te dérange dans le fait de faire une bougie? C'est pas si désagréable. Qu'est-ce que t'as?
Ok, là, enfin fini sa bougie, on peut passer à la deuxième. Waouh! On va refaire une bougie trempée, ciel cette fois. Et là, on a quoi? Perd le contrôle, la peur de ne pas réaliser ses rêves. Ça suffit, Alma, on a assez de cette impression lancinante qui lui dit en permanence ce qu'il faut faire. Désormais, elle fera ce dont elle a envie ou rien. C'est pour ça que tu m'écoutes pas là? Parce que t'as pas de rêve, hein. Ton rêve, c'est de faire des bébés. Donc tu vas juste continuer à faire des bébés et arrêter de penser que t'es la reine du monde, ok? Ça, on peut le vendre, je sais pas si ça sert à quoi. Et notre bougie, on va la mettre sur Plopsy. Elle veut vraiment pas faire ce que je lui dis, c'est insupportable. Comment on fait pour ça déjà là? On peut pas la calmer là? Ça part dans combien de temps? 54 minutes. Bon. On va attendre que ça parte hein, parce que c'est insupportable ce truc. Faire caca en étant en colère. Et tu vas essayer de te calmer dans le miroir là. D'ailleurs, je vais peut-être envoyer les bébés dormir là parce qu'elles sont pas trop bien. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Qu'est-ce qu'il fait ici? Espèce de mec bizarre, tu vas dans la chambre des enfants en plus. Elena, tu vas lui demander de partir, s'il te plaît. Et si elle est là, c'est qu'elle a fini sa toile, on est d'accord. Oh là là, mais quelle horreur! Mais t'es au niveau 7! Qu'est-ce que tu nous fais là? Et elle est partie danser. Non, non, non. Au moins, son sentiment, il est parti, donc j'espère que ça va le faire cette fois. Les deux frères, ils sont en train de jouer ensemble et parler ensemble, ça fait plaisir. Alma, elle a fini sa bougie, donc je pense que c'était vraiment son état d'esprit qui gâchait tout. Tu vas nous refabriquer une bougie. On va faire à la suite, hein, donc Versauge, voilà. Tu vas nous remettre l'autre sur Plopsy. Ça, qu'est-ce que c'est? Piste de danse en carton. On peut la vendre. Argent, argent, argent. Toujours de l'argent. Beaucoup plus d'argent. Le bal de promo commence. C'est l'heure du bal de promo. Mettez-vous sur votre 31 et enflammez la piste de danse avec d'autres élèves du lycée. Allez-vous y participer? Je vais pas vous mentir, on s'en fout de ouf. Donc on va sécher le bal de promo. Et là, tout le monde travaille, donc ça fait plaisir. Regardez-les, là, ces trois rats de bibliothèque. À essayer de s'améliorer par tous les moyens. Bah voilà, elle finit beaucoup plus vite maintenant. Je me disais que créer une bougie, ça prenait pas autant de temps. Ah d'ailleurs, on peut vendre ce qui a poussé là. Est-ce qu'on peut arroser ou quoi? J'ai pas l'impression. Et j'ai l'impression qu'on peut plus fabriquer une bougie. Obtenez plus de débris et... Ah mince! Les débris et les morceaux. Mais j'ai pas de recycleur, moi. Bon écoutez, si on est amené à faire des bougies, on en aura besoin, on va en acheter un. On va quand même essayer de le cacher un peu, hein. Et est-ce qu'on peut recycler des choses? Recycler à partir de l'inventaire. Alors je pense que les stickers, on peut les recycler. Et toutes ces fissures là qui ne servent à rien. Ok, je pense que ça suffit. Vladislaus qui a un cadeau spécial pour nous, on va clairement pas te laisser rentrer, mec. Elena, elle a fini son tableau. Pour une fois, c'est à peu près joli, je dirais, même si on gagne rien avec tes toiles, meuf. Il n'y a que quand elle fait des chefs-d'œuvre qu'on gagne de l'argent, sinon vraiment c'est éclaté contre le sol. J'ai l'impression que les peintures ont perdu en intérêt, quoi, en bénéfice. J'ai l'impression qu'avant on gagnait plus avec les peintures. Là, elle est au niveau 7, on gagne 300, quoi. Ok, donc on a eu des matériaux de recyclage. Je pense que ça va être les dernières bougies avant d'aller dormir, hein. Tu vas faire une bougie de couleur argile. Lui, il a toujours pas gagné son point. Soit il est nul, soit il bug. Parce que ça fait vraiment longtemps hein, qu'il joue aux échecs. Donc, on va s'occuper de ses besoins et il va aller dormir. D'ailleurs, je pense que les bébés, ils vont bientôt avoir faim. Il est joli ce orange là. Ça va être une jolie bougie, ça. Bon, on va commencer à envoyer tous les enfants dormir là. Oh, le travail a commencé pour Alma. Alors, déjà, je veux vendre ça. Ouais. Et quand elle aura fini de manger, écoutez, on va l'envoyer à l'hôpital, hein. Et je veux pas l'accompagner parce que j'ai enfin réussi à faire dormir tous les enfants. Donc peut-être une prochaine fois. Alors à votre avis, ce sera une fille ou un garçon? Je pense qu'on va avoir qu'un seul enfant parce qu'on est déjà 7 dans le foyer. Alors c'est une fille. Est-ce qu'on pourrait pas l'appeler Antonia? C'est pas mal, non? Voilà. Du coup, elle va rentrer à la maison, notre Antonia. Elle est pas du tout là où elle devrait être. Ce que je vais faire, c'est que j'ai créé une mini pièce pour mettre les bébés, comme ça ils dérangent personne. Et c'est juste ici, donc tu seras là, toi. Par contre, je sais pas si ça passe à cause des portes, on verra bien. Mais du coup, évidemment, ce bébé, il pleure, hein. Voilà, et je pense que ce qui serait bien maintenant, c'est d'acheter notre fusée. Par contre, c'est énorme, hein. Je sais pas du tout où je vais pouvoir le placer. Écoutez, pour l'instant, je vais l'acheter comme ça. Je vais le mettre dans l'inventaire, comme ça sera fait. On pourra du coup construire la fusée au prochain épisode. Donc moi je vais vous laisser ici, j'espère que l'épisode vous aura plu. Si le contenu vous a plu, laissez un commentaire, abonnez-vous, aimez la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.